Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer des références dans notre Zotero quand on travaille avec une tablette Android. Pour cela, on va utiliser Firefox pour tablette. La première chose à faire, c'est d'aller avec votre navigateur, donc Firefox, sur le site zotero.org et vous allez vous identifier avec le compte que vous avez créé précédemment. Si vous avez besoin, il y a une vidéo d'Octobib qui vous l'explique. La deuxième chose à faire, c'est d'ouvrir un deuxième onglet dans votre navigateur. Vous allez chercher Zotero Bookmarklet. Et avec un peu de chance, ce sera le premier lien qui va nous intéresser sur le site zotero.org. Vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur une page du site Zotero. Vous allez retrouver les différents navigateurs qu'on peut installer sur une tablette. Comme on est sur Firefox, on va cliquer sur Firefox Mobile Browser. Avec votre doigt, vous allez faire un appui long sur le bouton rouge « Save to Zotero ». Vous marquez le lien. Là, vous voyez sur la vidéo que c'était déjà fait dans les marque-pages. Ensuite, vous pouvez retourner sur un article qui vous intéresse dans PubMed. Vous cliquez sur la barre d'adresse une fois, elle devient surlignée en couleur. Vous cliquez ensuite sur les marque-pages dans votre navigateur Firefox. Et vous cliquez sur « Save to Zotero ». En bas à droite de l'écran, vous voyez, comme d'habitude, qu'une fenêtre s'ouvre pour dire qu'il est en train de sauvegarder la référence de l'article dans votre Zotero. Et si vous retournez dans votre bibliothèque en ligne sur le site Zotero, vous allez retrouver votre article. Comme on ne peut pas l'envoyer directement dans un dossier en particulier, vous allez le retrouver classé en premier, si vous faites un classement par date, parmi les articles. Le voici. Ensuite, à vous de voir où le ranger dans vos dossiers habituels. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. À bientôt, ciao, salut!